carrément. Pour une fois, je te demande un truc, toi. Bah écoute, tu peux aller à pied ou je sais pas, débrouille-toi, mon grand. Le plan de Montagne qui commande l'ordre précis dans lequel les divers acides aminés doivent s'enchaîner pour former une protéine est contenu dans l'ADN qui se trouve dans le noyau. Ce plan ne sort jamais du noyau, mais seules sortent des copies de ce plan. Ce sont les molécules d'ARN qui viennent se placer au niveau des ribosomes où les messages est lu. La synthèse des protéines est donc sous la dépendance du noyau qui possède, dans les molécules d'ADN, l'information... Mais vas-y, là-haut ! Souleymane ! Madame, regardez-le ! Mais je ne vais pas le savoir. Je vous préviens, c'est une question d'examen, là. Alexandre, tu reprends, s'il te plaît? Bien sûr. La synthèse des protéines est donc sous la dépendance du noyau qui possède dans les molécules d'ADN l'information pour le montage des toutes les protéines. Alors, donne-moi ça. Donne-moi ça, ça a l'air si drôle. De papier sur moi et cette connasse à crier, alors du coup on a encore le mercredi pour ça. Chut. Pardon. On fait quoi là? J'ai trop besoin de pisser. Encore? T'arrêtes pas meuf, t'as une cystite ou quoi? Mais non, je pense pas. Toutes ces choses qui te la font redire, rien qu'à te souvenir pour le million d'années à venir. Malheureusement, tout ce qu'on t'offre pour l'instant, c'est des chats défilés, des seins en plastique en vidéo. C'est terrifiant. Tout le monde veut la même chose, même les travaux rêvent du prince charmant. Et pourtant, on passe notre temps à se mettre des coups de cutter dans les paumes. À trop mentir, à force de dire, par pitié, range la guimauve, écarte les jambes, sans suffit, je ne parle pas. Laisse-moi seulement kiffer mon bagage de tola et m'endormir direct, moins de 3 minutes plus tard. À force de faire tout ça, on croyait quoi? On se meurtrit, on fait l'amour, comment s'essuie? Quel gaspillage. C'est pour ça qu'il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Faut jurer qu'on la vivra dans une putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui soit la vie qui trempe la main, qui déclare en salle bizarre. Imagine-toi, t'es là, en train de t'en prendre et faire au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui perd fort, de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus sans qu'il y ait un truc pendant. Un truc dément qui redonne la foi, comme ça. En soir, que tu me fasses la reste escalade pendant 2 heures. Que le soir, au soleil couchant, on se fasse ta série. Je voudrais partager tes nuits. J'ai tant besoin qu'on soit dans une foule. J'ai tant besoin qu'on soit. Margot a encore fait sa grosse quête ce week-end, quoi. À la soirée, donc, il y avait elle, et puis son ex, Simon,
et puis un autre mec, mais qui connaissait pas du tout, c'était genre un voisin ou quoi. Enfin bref, ils ont été dans la chambre des parents de Margot et apparemment ils ont fait des trucs dans la chambre et tout. Du coup, je te pue quoi. En plus, elle se lave même pas les mains avec toutes les bites qu'elle touche. On a quoi après? Une match, je crois. Ouais, c'est... Oh putain, Clara, je pense que j'ai oublié après complètement. T'as oublié? Oui. Ouais, c'est ça. Tu veux pas me passer la team, s'il te plaît? Non, je fais tout le temps la même chose, c'est chiant. Allez, s'il te plaît. Ouais, ouais, c'est la meilleure. Maud? Ouais. Maud? Tu viens? Je t'expliquerai. Ils sortent ensemble? Non. Elle t'a rien dit? Non, elle m'a rien dit. Ça va? Merci. Ça t'arrive souvent? Non. Mais j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Pourquoi, t'as pas faim? Non. Enfin, si. Mais j'ai pas eu le temps, je me suis levée trop tard. Je vais te donner du sucre. Madame Muller? Oui. Est-ce que vous êtes déjà sentie comme... absente? Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois j'ai l'impression que... rien n'est réel. Comme si j'étais pas vraiment là. Tu ressens ça tout le temps? Non. Enfin, je sais pas. Trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante. Mais moi, j'ai pas compris. Ouais, c'est comme ça. Non, mais elle est dure.
un problème, je t'expliquerai après. Ça va pas mieux? T'as vomi? Tu vas vomi? Tu veux que j'appelle tes parents? Non, ça va. T'as bu quoi? Rien bu, viens. Je tiens à vous dire que des enquêteurs vont passer pour vous interroger. Vous répondez ce que vous avez vu, ni plus ni moins. Évidemment, cette chose n'étant pas banale, il y a des journalistes qui sont déjà au dehors de l'école, qui vous poseront des questions.
Vous n'êtes absolument pas obligé d'y répondre. Je signale aussi qu'il y a le centre PMS qui vous accueille si vous avez envie de parler de quoi que ce soit. Monsieur Mathieu et Madame Hullard y tiendront une permanence pendant un mois. Voilà. Je dois vous souhaiter malgré tout une bonne journée. Vous continuez les cours normalement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que mon bureau est ouvert. Est-ce que tu te souviens d'avoir été enceinte, Clara ? Je sais plus. Et l'accouchement, tu t'en souviens? Quelques petites affaires. Tiens, Elliot, si tu veux dormir avec lui, et puis j'ai pris aussi le livre qu'il y avait sur ta table de nuit. Tu le veux? Ok. Il faut que tu me dises si tu as besoin d'autre chose, d'accord? J'ai apporté une bouteille d'ice tea et des mélanges. T'as déjà mangé? Oui. C'était bon? Ouais, ça va.